Madame Maïda Zenawou, c'est mon nom de famille. Je suis née le 5 juin 1962, divorcée, mère de 4 enfants, ingénieure en industrie agroalimentaire, diplômée de l'INSAIA de Nancy et de l'INSIA SIAC. Et je suis promotrice et aujourd'hui PDG de la société Nigerlain. Dans les années 80 jusqu'aux années 90, tous les indicateurs, notamment ceux, les indices de développement humain, étaient au rouge. Il y avait beaucoup de carences nutritionnelles au sein des enfants et il y avait beaucoup de décès maternels pour des carences nutritionnelles. Et c'est là que j'ai décidé d'opter pour un domaine qui pouvait amener une contribution, laquelle qu'elle soit, à la population nigérienne. Donc la forte ambition, la première, c'était d'apporter la négation à la médiocrité. La deuxième, c'était de pouvoir mettre à la disposition de la population nigérienne des produits à forte valeur nutritionnelle. Et aujourd'hui, je pense que ce défi, pour moi, il a été relevé. Et j'ai pu démontrer qu'en s'axant sur une entreprise, qu'on pouvait lutter contre la pauvreté. On sent la présence de Nigerlain par ses actions, par le respect de l'engagement premier qu'on s'est donné, que j'ai pu insuffler à l'entreprise. Et je pense que cette reconnaissance, elle est unanime et elle est internationale parce que Nigerlain est certifié ISO 9001 par la version 2008 et c'est la seule entreprise agroalimentaire au Niger qui est certifiée de cette norme internationale. Bien sûr qu'on ne m'a pas mis, pour y arriver, on ne m'a pas mis un tapis rouge. Hein. Je savais ce que je voulais, je savais où je voulais arriver. Et donc, je savais quelque part que j'avais obligation de résultat, justement pour les femmes du Niger. Qui devait être envoyée d'abord. C'est une femme engagée dans tout ce qu'elle fait, même pas par rapport à l'entreprise, par rapport à la société, mais dans ses actes quotidiens. Elle est tout le temps engagée. Quel que soit ce qu'elle fait, elle ne s'arrête pas pour dire « Ah, je suis fatiguée, j'arrête ». Je pouvais continuer demain. Elle ne fait jamais quelque chose à moitié. Elle nous a forgé, si je peux le dire, si je peux le qualifier ainsi. Donc elle nous a donné le goût, l'envie de travailler, l'envie de faire un travail bien fait. Ma mère m'a laissé le fait de ne pas vivre et ne sans laisser d'empreinte. La condition de la femme n'est pas une fatalité. On peut relever ce défi de faire ce changement et on doit changer. Et l'une des voies pour moi, pour ce changement, c'est surtout arriver à l'autonomisation de la femme, arriver à l'éducation de la jeune fille. Avec une éducation de base, c'est un leader qu'on a en face de nous. Les femmes sont déjà garantes de certaines valeurs telles que l'intégrité, l'humilité, telles que la bonne moralité. Et pour moi, sans ces valeurs, sans la transmission de ces valeurs à nos progénitures, nous ne pouvons pas construire un développement. Je l'aime ma
voix pour que tu saches que tu as des droits. Le droit d'aller à l'école, de travailler, de t'exprimer.